Waouh, je suis impatient de faire cette sortie VTT, ma chérie. En plus, tu m'as préparé mon sac à dos, tu m'as mis une chambre à air, une pompe et tu m'as... Et pourquoi tu m'as mis ça? T'as craqué ou quoi? C'est un collier de serrage, c'est super utile. Oui, mais d'accord, mais je suis pas électricien ni plombier. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Que je fasse... je sais pas, moi. Non, mais fais-moi confiance, chérie. Confiance? Si, si. Ouais. Narbax, notre mécano préféré, il a fait un super tuto là-dessus. Ah ouais? Je t'assure, c'est très très intéressant. Bon, ben on va voir ça après le générique. Tuto. Oh chérie, mais non, j'ai encore perdu une vis là sur mon frein. T'aurais pas une idée pour moi, j'en ai marre là, je suis en galère. Mais oui, il y a quelque chose de magique, les colliers de serrage. Écoute ton pote Narbex, il a plein de choses à te dire. Donc en cas de perte de l'axe du levier avant, on va placer bien sûr tout simplement le collier à la place de l'axe, d'accord? On le referme, voilà. Et ensuite, on le serre. Alors, ne le serrez pas tout de suite, très très fort, ok? Regardez si votre frein il fonctionne et serrez-le petit à petit un peu plus fort. Voilà. Là, alors bien sûr, j'ai pas un frein qui est optimisé, hein, mais au moins je vais pouvoir rentrer et pouvoir freiner. Mais... Oh, non, mais tu le crois, j'ai perdu mon galet de dérailleur. Mais non, mais comment on va rentrer? Chérie, t'as pas une solution pour moi, la saison c'est la misère. T'inquiète mon chéri, tu vas pouvoir rentrer à la maison. Les fameux colliers de serrage. Écoute Narbex, les bons tuyaux. Voilà, la deuxième application d'utilisation du collier risant en cas de perte de roulette de dérailleur par exemple. Je mets le collier risant à la place de l'axe de la roulette. Ok, je le replace en arrière de la chape, d'accord? Voilà, et je vais fermer le collier, bien sûr, en le serrant. Voilà. Après, si vous avez une pince coupante, vous pouvez couper le bout qui dépasse, hein, bien sûr. Voilà, là, on a une sorte de roulette. Et maintenant, bien sûr, je vérifie si ça fonctionne. Donc, je soulève ma roue arrière, je fais tourner mes pédales, et je m'aperçois que finalement, le collier fait office de roulette. Et bien sûr, on ira à l'atelier, chez Narbex, pour trouver une roulette et remettre tout en place. Hé hey chérie, j'ai aussi un problème avec ta mère. T'aurais pas une solution pour moi par hasard? Mais non, je plaisante. Par contre, j'ai vraiment un souci avec un pote. Alors Narbex, aide-moi s'il te plaît. Non, Cédric, le collier risant, ça sert pas à attacher son pote les mains dans de l'eau, menotté s'il a fait une connerie. Hein. Ça, c'est vraiment pour la mécanique uniquement. Eh, merci Narbex pour ces bons tuyaux, c'est vraiment important. Vous avez vu ce collier de serrage ou collier riselant, il a son utilité et en plus, il n'est pas cher. Donc, il faut en avoir dans votre sac à dos. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir faire un tuto sur le sac à dos, mais ça, on en parlera plus tard. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre toute notre actualité et nos tutos. Vous savez que c'est tous les mercredis, un par semaine. Alors, on vous dit à bientôt.